compris les petits chiens que j'ai vus. Alors merci d'être venu pour inaugurer cette fête du canal. L'été d'Aulnay, vous savez qu'on fête l'été à Aulnay, même si l'été se cache un petit peu. Abritez-vous. Je vous remercie d'être venu malgré voilà, ces nuages et ces gouttes de pluie. Mais nous, on fera la fête malgré tout, comme on dit en espagnol, a mal tiempo, buena cara. Hein? Quand il fait mauvais, on sourit quand même et on va faire la fête avec soleil ou avec la pluie, ça n'a pas d'importance. Alors, vous savez, Aulnay fête l'été. Les festivités ont commencé la semaine dernière au parc Ballanger, dans le nord de la ville. Ici, dans le sud, parce que nous sommes bien fournis en espace vert à Aulnay, nous avons cette chance d'avoir ce canal aussi. Nous allons proposer toute une série d'activités, d'animations, grâce au travail du service culturel. Sur cette péniche, la péniche Anaco, je remercie l'association de la péniche qui passe toute l'année à proposer des activités à la Villette, à Paris, et que pour l'été, se déplace déjà deux semaines sur Aulnay, du 7 au 22 juillet. Nous avons cette péniche pour profiter d'une grande quantité d'activités qui comprennent des spectacles. On va commencer avec un bal tout de suite. Juste avant, on verra travailler l'artiste Fred Le Chevalier, qui est ici avec nous, je les salue, je les remercie de sa présence, ici en vert, qui nous propose cette manifestation de street art, hein, art de la rue, vous pouvez voir des dessins, et surtout vous allez voir comment il va travailler maintenant sur ce mur. Rassurez-vous, monsieur le maire, on a l'autorisation là pour qu'il puisse faire son travail sur le mur. C'est très 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 intéressant de voir comment les artistes investissent les rues, et nous donne le plaisir de les voir à l'œuvre. Alors je vous ai dit, il y aura ensuite un bal qu'on a décidé de faire à l'intérieur de la péniche. Vous êtes tous invités. Et il y aura un bal dans deux semaines, sachant que le week-end prochain, il y aura des festivités du 14 juillet, bien sûr, pour des pompiers, entre autres, des villes, etc. Vous êtes tous reliés. Mais sur la péniche, il y aura beaucoup d'activités proposées par des associations. Alors, pour ne pas les oublier, je vais vous dire qui va être là. Il y aura l'association Danse et Plus qui va nous proposer des ateliers, des danses. Just a Do It également, des ateliers. Le CAF, le Centre de Danse du Galion avec des hip-hop. La Maison de l'Environnement qui présente des ateliers également scientifiques. Valpanam pour les bals. Le réseau de bibliothèques sera présent. Le Bibliobus, le Médiabus sera présent ici pour une petite lecture. Des artistes comme Souptou, Monsieur Claval pour l'atelier de dessin, des compagnies de théâtre, et voilà, et la compagnie des Toupies pour les tout petits. Ça présente du théâtre, de la magie, des spectacles tout à fait adaptés pour les plus jeunes. Vous pourrez voir les horaires sur Oxygène, également sur le site de la ville, mais n'hésitez pas à prendre ces petits programmes qui est ici, avec tous les horaires des animations. On aura le groupe Slonovski avec de la danse, de la musique des Balkans. Le groupe Jim Marple, de la musique de la Jamaïque. Fred Le Chevalier, je l'ai déjà dit. Également des musiciens du Cap pour un atelier de steel drum. Enfin, toute une panoplie d'activités que je suis sûre vont vous permettre de passer un été très très agréable à Aulnay. Alors, malgré la crise, et surtout à cause de cette crise, la mairie a voulu offrir aux Aulnaysiens la possibilité de passer un excellent été, pas cher, très très varié. Pas cher pour les habitants, c'est ça l'intérêt. Comme je vous disais, autant aller voir du côté du parc Ballanger, parce qu'il y a énormément d'installations très 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 intéressantes pour les enfants, des piscines, des jeux. Il y a une navette que la ville met à disposition pour pouvoir circuler dans tous les quartiers de la ville et aller du canal de Luc au parc Ballanger. Vous allez faire le tour de la ville, découvrir un touriste. C'est sympa de redécouvrir sa propre ville un touriste. Également, à propos de navette, il y a une navette qui circule les samedis et dimanches. Et je ne voudrais pas oublier de dire que nous faisons tout ça en partenariat avec le comité départemental du tourisme de 93, que nous remercions, puisque le département s'intéresse au développement du canal
et a programmé toute une série d'activités dans les villes qui ont la chance d'avoir ce canal, dont on l'est, mais aussi Brody, le pavillon sous-bois, Bobigny. Vous pourrez également voir tout ce qui se passe ailleurs et prendre la navette et aller vous faire plaisir dans différentes villes. Mais surtout, on est très très content de recevoir des gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs faire la fête avec nous cet été à Aulnay. Alors profitez bien de toutes les activités, ne craignez pas la pluie. Vous serez toujours les bienvenus ici. Il y a une belle salle en bas qui accueille, peut accueillir 5 personnes. Et sans oublier le bar qui sera ouvert tous les soirs pour venir prendre un verre entre amis, famille et bien s'amuser. Je voudrais remercier tout particulièrement le service culturel de la ville d'Aulnay. Permettez-moi de remercier Lisa Larsonner, Carole de la Reverdière, Pascal Lecomte, Thomas Nocchi et Jean-Louis Poulet, qui ont beaucoup travaillé depuis longtemps pour que nous puissions passer une belle saison culturelle à Aulnay. Dernier, et Nathalie Favré, excusez-moi, je ne l'avais pas vue encore. Mais également, il y a une activité qui va beaucoup plaire aux enfants, mais aussi aux parents. C'est le cirque installé, le chapiteau au parc Ballanger, où vous pourrez découvrir le travail de la compagnie Teatro del Silencio, qui propose des ateliers aux enfants. Vous aurez toute l'information, les horaires pour ces ateliers, qui seront suivis des spectacles présentés par les enfants, mais également des spectacles ou des professionnels. Voilà, la liste est trop longue pour vous détailler l'ensemble des activités, mais n'hésitez pas à prendre le programme ou vous rapprocher des personnes du service culturel qui vous donneront toutes les informations nécessaires. Alors, sans plus tarder, je vous invite à tout d'abord un verre ou deux ? En même temps, écoutez, j'ai dit qu'on ne serait pas trop formel. Profitons, voilà, pour voir le travail de l'artiste et en même temps célébrer tout ça avec un verre bien amicalement. Merci à tous et bonne fête.